Alors, la deuxième question, deuxième tirage que j'avais envie de faire, puisque je me sens pleine d'énergie aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, faut en profiter. Je vais demander si il va y avoir des mouvements sociaux en France entre, on va dire, entre le printemps et l'automne. On va voir avec la triade et puis après, je vous ferai éventuellement un développement avec le grand oracle français. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelque part un ras-le-bol, hein, donc des manifestations en France entre le printemps et l'automne. Donc en fait, sur le reste de l'année 2021. Voilà. Alors, toujours mon tirage en croix. On y va. Réussite et justice. Alors, ça peut vouloir dire que il y a quelque chose en relation avec la loi, où il y a une réussite qui va entraîner des lois. Alors, je ne sais pas trop. Bon, on va voir. Alors, est-ce qu'il va y avoir des mouvements sociaux en France? Ah, j'en ai deux qui sont sortis, donc dans ce cas-là, je les prends. Voilà, des mouvements sociaux en France. Hein. Alors, pour l'instant, ça ne bouge pas. Enfin, j'ai la bénédiction. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties, science et papyrus. Et en bas, naissance. Bon, ça me fait penser quand même à tout ce qui est médical en haut. En relation éventuellement avec l'étranger. Ou plutôt, je me demande si c'est pas les lois, ça peut être ça aussi, mais enfin, j'ai le côté scientifique qui ressort. C'est plutôt les études scientifiques, en fait, des communications scientifiques, ici, ce qui fait que pour l'instant, ça bouge pas. J'ai l'impression qu'en fait, les gens écoutent les recommandations scientifiques, hein, ou les médecins, hein, ça peut être ça aussi. Pour l'instant, c'est plutôt calme, hein. Bon, ça peut être le virus. Bénédiction, il y a des autorisations ici. Je dirais que pour l'instant, les Français sont passifs et qu'ils font encore confiance aux médecins. Alors peut-être pas aux politiciens, mais en tout cas, ils écoutent les recommandations, pardon, les recommandations médicales. Mais il y a quelque chose qui grandit ici. Alors on va voir. Est-ce qu'il va y avoir des mouvements sociaux en France? Regardez ici et là. Et à gauche, on va regarder aussi. Alors, sagesse. Voilà, c'est ça. Hein. Preuve de sagesse. Ici, ah, il y a de la lumière. Et ici, une évaluation. Alors, une élévation. Donc, il y a quand même une amélioration ici. Il y a quelque chose qui grandit ou qui se développe. Lumière et sagesse. Alors, c'est des belles cartes. Hein. Des belles cartes. Une espèce de compréhension, peut-être. Voilà. Compréhension. Pour l'instant, c'est pas. J'ai l'impression que les gens font quand même preuve de sagesse pour l'instant. Qu'ils s'attendent à ce que les choses s'améliorent. Ça bouge pas pour l'instant. Au printemps, ouais, j'ai le printemps qui ressort. Ouais, j'ai l'impression que d'ici le printemps, ça va pas bouger parce que il y a quand même de l'espoir que les choses s'améliorent, hein, je pense. Hein. Alors, on va essayer de voir un peu plus dans le temps. Parce que là, j'ai parlé quand même, enfin, c'est vrai que j'ai parlé du printemps, mais enfin, jusqu'en automne. Il va y avoir encore des mesures législatives, donc des lois, ah, et qui vont passer par des restrictions. Bon, encore une fois, hein. Ouais. Il va y avoir vraiment des mesures. Ouais. Des mesures de loi qui vont passer. Alors, par rapport à la protection. La protection des personnes ou protection par rapport au virus. Hein. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Ah, il y a quand même le malheur qui sort. Bon. Alors, c'est curieux parce que moi, mon sentiment, c'est que pour l'instant, ça ne bouge pas, même s'il y a des petites manifestations de ci, de là, ça reste quand même assez. Comment dire? C'est des petits foyers en fait, hein. Mais il n'y a pas de grand mouvement. Par contre, j'ai l'impression qu'il y aura des lois
qu'au moment où certaines lois vont passer, là, il va y avoir quelque chose. Il y a une attente quand même, hein. Alors. Ouais. Il y a des lois qui vont entraîner pas mal de doutes et de questions, de remises en question. Alors. Ouais. Il va y avoir un ras-le-bol. Alors ça veut dire aussi que. Alors cette carte-là, en fait, c'est pas tout à fait. C'est pas vraiment le pardon. Moi, j'ai toujours appris, quand j'avais pris mes cours de triade il y a plus de 20 ans de ça, que c'était aussi une carte qui pouvait dire qu'on n'avait pas envie de. Alors qu'on n'avait pas envie de se battre. Mais aussi qu'on en avait assez d'une situation. Donc pour moi, c'est un ras-le-bol. Il y a un choix qui va être fait, qui va devoir être fait, qui mène à l'illusion. Hein. Je ne sais pas si c'est les masques ou autre chose. Épreuve. Bon, pour l'instant, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas, ça bouge pas. Situation difficile. Oh là là. Message. Ouais, ça va mettre du temps. Parce que, si vous voulez, moi, je vois quand même en astrologie. Je crois qu'en plus, je ne suis pas du tout la seule astrologue. Hein. Mais bon, moi, je travaille différemment. Donc, bon, je ne vois pas forcément la même chose que les autres. Mais enfin, apparemment, les autres astrologues sont d'accord sur un point qui est que ça va bouger quand même en France. Mais moi, avec toutes les cartes que j'ai sorties. Je dirais que ça va mettre du temps. Ça va passer d'abord par des mesures légales, donc des nouvelles lois qui vont entraîner quand même beaucoup de, alors de malheurs passés. Oui, enfin, malheurs. Hein. Plus ça va entraîner des gens qui. Enfin, on va se poser des questions, mais il y a quand même un ras-le-bol. Il y a des prises de décision qui vont être faites, qui vont conduire encore à des illusions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on ne voit pas. On ne voit pas la vérité. Ce qui fait que finalement, on va retourner vers les épreuves et l'isolement. Là, par contre, ensuite, il y a des choses qui vont être communiquées, pardon. Il va y avoir. Alors, ça peut être les médias, mais je ne suis pas sûre que ce soit les médias officiels. Ouais, ça va mettre du temps. Bon, alors pas tout de suite. Le jeu ne m'a pas dit oui ou non. Il m'a dit simplement qu'il allait y avoir pas mal de mesures encore qui vont entraîner encore la tristesse, la dépression, c'est la carte du malheur. Hein. Ça va conduire à des périodes de doute. Moi, mon sentiment, c'est que tout le monde est perdu. Que personne ne sait exactement qui croire, que croire, voilà. Donc on va, dans ces cas-là, on va regarder avec mon troisième jeu que j'utilise de temps en temps. Mais attendez-vous quand même dans les prochains mois à des mesures, enfin des mesures légales, hein, donc des lois, qui vont faire que la situation ne va pas s'arranger. Alors, on va faire un tirage ouvert. Je vais simplement regarder un petit peu s'il y a des choses qui vont bouger en France. Donc, c'est un tirage un peu long. On va demander est-ce que les choses ont bougé en France. Alors, ouverture et ruisseau. Bon, ça veut dire en fait que les choses bougent, mais alors très lentement. Hein. Voilà, c'est un jeu qui fait 111 cartes, donc il est très très grand. Alors, on va regarder hein, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont bouger en France. On va mettre la carte, on va mettre une carte au milieu cette fois. Voilà. Donc ici, l'expérience, le défi, alors le challenge. Ouais. Il y a des choses qui bougent. Alors la fête, le ruisseau et la liberté. Ah oui, la liberté, c'est bien le thème, hein. La liberté qui est au milieu. Nos libertés. Nos libertés. Alors, lenteur et rapidité. Ouais. Un défi ici. Oui, en fait, c'est ce à quoi on est confronté.
Fête, tentation de faire la fête ou fête et tentation. Je pense toujours au restaurant, moi. Pour retrouver nos libertés. Oui. Bon, ok. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Tout ce qui est le retour à nos libertés, bof, ça ne bouge pas. Il y a quand même une invitation ici. Là, il y a une solution. Mais ça passe par la mort ou la fatalité, décidément. La tour prend garde. Et le soutien. Bon, alors. L'hospitalité, ça c'est quand on voit les gens, quand on les invite. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe du fait des décès. Il y a toujours les questions de... Alors, observation, défense, hein. Donc, cause de protection. Bon, ça c'est la situation actuelle. Ça veut dire que pour retrouver nos libertés, bah, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Du fait justement des décès. Hein. Et on est toujours dans une situation où on observe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Où on observe et où on se protège. Hein. Mais en face, il y a une solution. Alors, une solution. Peut-être apparente, hein, à voir. Combativité, force. Là, ça bouge par contre. Cimetière et protection. Donc se protéger par rapport au décès et instabilité. Ouais. Obligation. Bon, ben, c'est pas mal. Il est pas mal ce tirage. Il est pas mal. Alors, j'essaie de vous expliquer un peu parce que j'ai parfois les pensées qui viennent et il faut que je les attrape au vol avant que mes intuitions s'en aillent. Bon, ça veut dire qu'en fait, on est confronté à une situation de défi, effectivement, par rapport à nos libertés que l'on aimerait retrouver, que pour l'instant, ça bouge pas, du fait des décès qui sont toujours là. Et qu'on est toujours dans une situation de défense. Hein. Donc la tour, on se protège. La tour prend garde, hein, comme je dis. Donc ça bouge pas. Et on est aussi dans une situation en même temps d'instabilité. Hein, pour revenir éventuellement à un certain, on va dire, contact social ou certaines vies sociales. C'est très instable pour l'instant. Mais en face, ici, il y a quand même de la combativité. Et au milieu, j'ai quand même les obligations. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Qu'on est toujours enchaîné par nos obligations. Et que pour faire bouger les choses, il va falloir se battre. Ouais. Donc ça pourrait être dans l'ordre de la question. Falloir se battre pour retrouver nos libertés, hein. Ça j'en suis sûre. Eh oui, regardez, j'ai la carte de la privation qui vient de juste de sortir. Et ici le piège, ça veut dire qu'en face, bah, on est plutôt là, nous. Hein. On est ici, c'est plutôt la situation confrontée à un défi, et là on est dans le piège, on est dans la toile de l'araignée, donc on est pris au piège des privations. Et le pigeonnier, c'est le refuge. Ah ben ça peut être le confinement. Hein. C'est le confinement, c'est le fait de s'enfermer chez soi. Pour l'instant, le jeu me montre la situation qui est bloquée par rapport à nos libertés qui sont au milieu, hein, le bonheur, la liberté. Mais il n'y a rien qui se passe. Bon. Il n'y a rien qui se passe, rien qui bouge. Et la combativité, eh bien, après, dessus, il y a la carte du danger ou du piège. Donc ça veut dire que même s'il y a de ci, de là des contestations, ben on est bien englué dans le piège de l'araignée. On ne bouge pas. Vous savez, quand on est dans une toile avec l'araignée, je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Enfin, moi, ce que je fais, je suis un peu bizarre. Hein. Quand je vois une mouche qui est prise dans la toile, généralement, je la libère. Enfin bon, je sais. Bon. Bref, généralement, les insectes qui sont pris dans les toiles de l'araignée sont complètement englués. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont coincés, ils peuvent rien faire. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que malgré la combativité, on est bien
en belle difficulté, hein, et que pour l'instant, moi, ça bouge pas. Donc ça rejoint encore mes autres cartes. Pourtant, en astrologie, ça bouge. Alors, quand est-ce que ça va bouger? Alors, est-ce que ça va bouger ou est-ce que vraiment on va accepter tout ce qui est en train de se mettre en place? Le refus. Ah, quand même. Bien la carte de l'âne. Privation, refus. Bon, donc là, oui, il va y avoir quelque chose. J'ai le pigeonnier et le foyer, le nid. Toujours la question de foyer. Quand même. Alors, il y a un refus, mais on reste quand même chez soi. Il y a un refus. Ouais, il y a la peur, hein. Il y a un refus. Voilà, ce que les gens sont contre, mais ils ont peur. Ils hésitent. C'est la carte de l'hésitation. Je vous la montre, hein. Donc c'est pour ça que ça bouge pas. On va continuer à regarder. Toutes les cartes que je mets, c'est que c'est loin dans le temps quand même. Ça va mettre du temps cette histoire. Obstacle infranchissable. Ouais. Rentrée d'argent. Aïe aïe aïe. Enfin, aïe aïe aïe. Normalement, c'est une bonne carte, ça. Épargne. Il y a les questions financières qui ressortent. C'est-à-dire que les gens, ils osent pas trop bouger. Parce que pour l'instant, ils sont encore un petit peu dans le côté financier, hein. Ils ont peur pour leurs finances. Peut-être de plus avoir d'aide, ce genre de choses. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations ou pas? Parce que c'était ça ma question. La campagne, bof. L'océan, on est perdu. Et l'avenir. Ben écoutez, pour l'instant, c'est bloqué, bloqué. Bon. Alors, c'est peut-être parce que j'ai tendance à voir un peu à court terme quand même. Et que là, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Donc, en résumé, eh bien, malgré les quelques contestations, malgré l'envie de revoir, d'avoir un retour à nos libertés, eh bien, ça bouge pas parce qu'il y a une crainte, une peur qui fait que les gens restent quand même chez eux, ne bougent pas. Bon, bah écoutez, je vais regarder en astrologie hein, parce que pour moi, ça bouge quand même. Si vous avez des questions ou des envies par rapport à certaines questions que je pourrais poser, eh bien, n'hésitez pas, hein. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Dans ces cas-là, eh bien, je ferai encore plus de tirages. Merci, au revoir.